Voilà, on est en direct de cette petite finale adulte de ce championnat féminin qui vient de commencer. Il manquait 2-3 joueuses qui n'étaient pas au courant du départ du match, mais tout est réglé dans l'ordre. Alors, on a une équipe de Carouge, Kaïs Carouge, qui s'oppose aux joueurs de Val-de-Rue. Aussi un mélange Val-de-Rue-Chaux-de-Fonds. Là, les points perdus seront sanctionnés par un vrai point perdu, donc ça fait un point pour l'équipe adverse. Et là, super soutien en défense qui était bloqué. Superbe tir en puissance. Il était touché en première zone, mais ça n'a pas suffi. Il y a 2-1. Petite avance pour les joueuses Chaux-de-Fonds Val-de-Rue qui jouent en bleu. Et Carouge qui joue en noir pour le canton de Genève. Super défense. Non, on est en catégorie adulte, donc c'est moins des jeunes. On voit que l'intensité de jeu a bien augmenté. Quel tir là, tout en force, qui est passé pour l'égalisation 2-2. Là, on construit sur le cadre. Ah, quel tir avec une petite feinte de poignet. Il a laissé casser son poignet pour spinner la balle. Il a réussi à avoir un angle vraiment au fond du terrain pour échapper aux mains des défenseuses. C'est bien qui tire, magnifique. La numéro 10 qui s'est lancée du bon côté. Elle l'a touché du bout des mains, mais elle n'a pas réussi à contrôler. Et là on voit ça contre super bien sur la magnifique défense de Justine. Et un marché signalé, plus de 3 empreintes avec le ballon dans les mains. Remise en jeu assez rapide. Ah, cadre, faute de cadre. Et là aussi à nouveau une petite faute de cadre. Faute de cadre, je répète, c'est quand la balle elle touche la partie métallique du cadre et non le filet. Ça peut fausser la trajectoire de la balle. Superbe point, mais on a vu que les joueuses elles sont là. La numéro 12, elle n'a pas réussi à attraper cette balle, mais pourtant elle était en soutien défensif. C'est bien qui va relancer de l'autre côté. Quel tir, quelle force! Cette joueuse, quand elle vient sur le cadre, elle arme, on voit son mouvement de bras qui vient pour vraiment faire mal là. Et encore une petite faute de cadre. Elle était hors de portée pour la défense adverse. Dommage. 4-4. Pour l'instant, il n'y a pas d'équipe qui est en train de prendre l'envol. Et la balle qui est arrivée jusque vers nous. Là, la rencontre est arbitrée par Benjamin Favre, qu'on peut voir là sur vos écrans. Super défense de Célia. Distribuée. Super aussi hein, la numéro 10 qui a vraiment une belle lecture de jeu. Super le tir là d'une force très 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 bas. Très difficile à venir capter. Et ensuite de l'autre côté on a un jeune arbitre. Ouais, attention là, l'arbitre montre un signe de zone départ. Ça veut dire qu'elle marche sur la zone interdite. Avec le ballon dans les mains toujours. Ouais, super défense aussi de cette équipe de Carouge. Toujours. Et là, est-ce qu'on va attraper? Aïe, aïe! Elle se sent foncée dedans. Je crois que tout va bien. Pour être blessé, c'est l'essentiel. Super, hein, c'est Lire qui a défendu pas mal de balles. Et voilà. Il y a une balle
Il y a du terrain, l'arbitre qui va mettre à remettre. Ça peut permettre peut-être à ces joueuses de Carouge de poser un peu leur jeu, de construire différemment. Ah, c'est bien, c'est super là. 7 à 5. Les joueuses de Carouge qui sont en train de prendre une petite avance. Rien qui peut faire encore trop peur à la. Ouais, super défense. Hein. Carouge qui est là en soutien. Et là, plus de 3 empreintes avec le ballon. Faute de marché. Ouais, je disais, 2 points d'écart, ça suffit pas pour rester serein et se dire que c'est dans la poche. 2 points, c'est très 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 vite rattrapé. Faut vraiment continuer son effort qu'elles sont en train de faire. Super, hein. Ça, c'est la première défense sur cette joueuse qui tire très très fort. Ouais, super, hein. La numéro 2, Célia, qui défend vraiment beaucoup de ballons depuis le début de cette rencontre. Et on a eu 2 défenses à la suite. Eh oui, super, là, elle a réussi à trouver la bonne option. Super, dommage, il n'a pas manqué beaucoup. Voilà, une faute de passe, un peu trop loin. Voilà, faute, un point perdu, ça fait mal. D'ailleurs, le score, ça parle tout seul, plus qu'un point d'écart. Pour vraiment éviter de faire ces petites fautes. Là, l'arbitre, il n'a pas réussi à voir s'il y avait point, pas point. Du coup, pour pas donner un avantage à une des deux équipes, il a préféré la remettre en jeu, la balle. Super défense, là. Super soutien défensif de la numéro 20 qui était super bien placée. Et super. Ouais, magnifique défense encore une fois de la numéro 20 qui a vraiment su se placer au bon endroit. Super ça, super défense et puis derrière quelle attaque. Et tout ça messieurs dames pour l'égalisation. Super, super remontée. On va voir si elles vont continuer sur cette lancée et passer devant pour les joueuses Chauquefond, Val-de-Rue. Allez, point perdu. Avec un peu d'aide de l'équipe adverse, elle passe effectivement devant. Maintenant, il faut vraiment se reconcentrer. On essaie de jouer sur des grandes passes. Je le disais déjà avec le match des juniors, M12, M14. Des grandes passes, c'est pas les plus faciles à rattraper. Parce qu'évidemment, elles viennent plus fortes. Continue de marquer là. 2 points d'écart maintenant pour l'autre équipe. On inverse les rôles. Super point. Super point. Il reste 10 secondes dans cette première rencontre. Est-ce qu'elle va réussir à prendre le large? Et non, c'est défendu. Et une faute de marché. On va s'arrêter pour ce premier tiers sur un score de 10 à 9. 10 à 9 pour... ils ont décidé de jouer les 30 secondes qu'ils n'ont pas joué avant. Comme j'ai dit, pas toutes les joueuses étaient sur le terrain, du coup on a perdu 30 secondes. Elles ont décidé de les récupérer maintenant. Et c'est le point parce qu'elle était d'or, dommage. Et là je pense que les arbitres vont bientôt stopper... le temps additionnel qu'ils ont décidé d'accorder. Et point. Et voilà.
le temps qui n'ont pas pu être joués au début va rester comme ça. Du coup, le score, toujours un petit point d'avance pour l'équipe Val de Ruchaud-Fan. Ça a été géré par les arbitres superbement bien, ce petit temps additionnel. Donc on va se retrouver dans un petit moment, dans 1 minute 45, la pause va être courte. Mais on se retrouve tout de suite pour la suite de cette petite finale. A tout de suite. Voilà, on se retrouve pour le deuxième tiers de cette petite finale où s'opposent les deux équipes féminines, Val de Ruchaud-Fan contre Carouge. Et là, c'est tout de suite défendu par Carouge. Et Carouge qui marque. Pour revenir au score, 11 à 11. C'est comme si on recommençait le match à 0-0, puisqu'il y a égalité. C'est passé dans le premier tiers, très difficile de déjà pouvoir donner le vainqueur. La joueuse qui avait sa dernière empreinte à l'extérieur du terrain avant de rattraper ce ballon, sanctionnée par une faute. On vient de me rapporter à boire, je vais pouvoir parler jusqu'à la fin de la rencontre sans souci maintenant. Et là, superbe point. Ah non, ça a été sifflé cadre. Oh. Oh, quel tir, mais quelle défense derrière, superbe. Là, elle doit tirer, elle n'a pas le choix. Ouais, super défense de la numéro 10. Là, on revient du même côté. Et pour marquer le point. Fois où l'arbitre ne voit pas, du coup il préfère remettre pour pas donner un avantage, peut-être qu'il n'est pas justifié. Et la belle défense, ça repart pour l'équipe de Val de Ruchaud-Fan. Tire en deuxième, mais quel soutien de la numéro 13 qui était idéalement placée. Et super là, déviation qui n'a pas été défendue. 12 à 12, match très serré. Est-ce qu'on va assister au même scénario que la première finale avec les M12-M14, avec les deux premiers tiers presque sur des égalités parfaites et le dernier avec une envolée des deux équipes qui, je répète, Konitz
Berne. Vraiment, c'est imposé. Là, j'entends le coach de cette équipe de Carouge qui donne des instructions de rester plus proche de la ligne pour défendre afin de ne pas se faire avoir par des tirs très bas. On va voir si ces joueuses elles vont retenir la leçon. Et là, superbe défense. Ouais, là, une faute de marche, c'est très bien vu de l'arbitre. Elle a fait une empreinte de trop. Et là, on change complètement de côté. Un petit tir et l'incompréhension. L'incompréhension entre deux, voire même trois joueuses. Elles n'ont pas réussi à se mettre d'accord et un petit tir comme ça a permis de passer. Superbe tir, mais quelle défense là. Justine qui a réussi à... Magnifique défense, on se bat. Aïe, c'était joli à voir. Il y avait de l'envie, mais un manque de réussite. Carouge qui est en train de prendre l'ascenseur là avec 3 points d'écart. Ouais, mais on peut compter sur les joueuses de Chaudefonds-Val-de-Rue pour rester encore en lice, pour monter sur la dernière marche du podium. Hein. Elles se battent pour la 3e place. Ouais. Super défense, mais de toute manière une petite faute a été commise avant puisqu'elle fait une faute de pénétration. Elle retombe dans la zone avant de lâcher son ballon. La numéro 4 qui a un tir très puissant pour réduire encore un peu le score. L'ascenseur s'est arrêté pour les joueuses de Carouge. Ouais, super tir. Hein. Mais la numéro 4 qui était à deux doigts de l'attraper. Ouais, super ça, superbe point. Et un petit point d'écart qui sépare ces deux équipes. Là, j'entends le coach qui est juste à côté de moi, c'est assez chouette pour les anecdotes qui annonçait un changement. Ouais, ça a été levé, mais voilà, on a eu beaucoup de chance, c'est passé entre les pieds du... Entre les pieds de la caméra. Ça a failli être un problème. Mais on a eu beaucoup de chance. Ouais, attention. Là, elle pose le pied dans la zone avant de lâcher son ballon contre le cadre. 15 à 16 toujours. Super tir. Eh oui, c'est l'égalisation. Ah. Alors, il y a une faute de changement, mais les arbitres n'ont pas vu. Puisque la personne avait déjà engagé avant qu'elle fasse le changement. Normalement, c'est vraiment entre les phases de jeu, mais c'est pas bien grave, on va dire. Ou alors, ça a été vu et toléré. Super défense. Hein. Elle vient de rentrer sur le terrain et tout de suite sa première défense. Elle n'a pas attendu pour prouver ce qu'elle savait faire. Et là, Carouge qui reprend 2 points d'écart. Ça fluctue pas mal. Ah, super défense là. Elles ont travaillé ensemble. Le point perdu. Bon, super là, elle a trouvé vraiment l'endroit idéal où mettre son ballon. Il n'y avait que des joueuses en plein déplacement. Déjà quand on est statique, de rattraper une balle qui vient avec tellement de puissance, c'est pas évident. Alors quand on est en train de courir, encore plus compliqué. Super défense de la numéro 10. Et ça revient directement sur le même cadre.
la numéro 8 qui fait un tir très bas, très puissant. Pour l'instant on est sur un score de 18-19. Ça reflète assez bien le niveau de jeu de ces deux équipes qui sont au coude à coude depuis le début de cette rencontre. Aucune des deux équipes a su vraiment s'envoler. Il me semble quand même que Carouge est devant hein, depuis un petit moment. Mais n'arrive pas à continuer d'être devant. Super défense là de cette équipe de Carouge dont je parlais. C'est peut-être sur ce genre de ballon qu'elles arrivent à faire la différence. Et là ça a été sifflé. Et là ça a été sifflé pénétration. Minute 20, toujours 2 points d'avance. Rien n'est fait puisqu'il restera encore 10 minutes à jouer. Ah, quelle force! Quel tir! 3 points d'avance maintenant. Allez, c'est le moment pour cette équipe de Carouge de garder la même phase de jeu qui fonctionne très bien. Et à l'inverse, pour les joueuses de Val-de-Ruche-Hautefonds, il faut maintenant venir bloquer ces balles et trouver les bonnes options défense. C'est bien défendu. Mais petite faute signalée avant cette belle défense. Et là, dommage. Peut-être un point perdu qui va faire mal au moral. Puisque ça permet aux joueuses de Carouge d'avoir 4 points d'écart. C'est un des plus grands écarts qu'on a depuis toute la rencontre. Magnifique le soutien défensif. Voilà, là, cette passe qui était d'une force assez impressionnante. Vraiment pas évidente à rattraper. 5 secondes. Elle s'est rattrapée. Et là, les joueuses de Carouge qui ont su trouver les bonnes options qui leur offre 4 points d'avance. Et on va voir dans les 10 dernières minutes, soit le dernier tiers, pour voir si l'équipe de Val-de-Ruche-Hautefonds va réussir à revenir ou si Carouge va continuer de mettre la différence. Alors on se retrouve dans 2 minutes 30 pour le dernier tiers de cette petite finale. À tout de suite.
Voilà. Dans 3 secondes, 2, 1. C'est reparti pour ce dernier tiers de cette petite finale pour le podium. On va voir ce que ça va donner. Je peux vous dire que les filles étaient super motivées puisqu'elles étaient toutes sur le terrain, prêtes à découdre avant le coup de sifflet d'envoi. Pour l'instant, hein, je répète pour les personnes qui nous rejoignent maintenant, petite avance maintenant de 5 points pour Carouge. 5 points, mais un tiers de 10 minutes. Hein, ça permet clairement à l'autre équipe, soit Val de Ruche au fond, pour remonter. Et, comme par exemple sur ce superbe tir. Ils sont venus réduire d'un petit point la différence. On va voir ce que ça va nous offrir ce dernier tiers. Et attention, on joue sur 3 passes pour faire bouger beaucoup la défense. Et là, c'est un cadre qui est sifflé. Ça donne une petite chance encore à cette équipe Val de Ruche au fond de revenir au score. Super tir, mais quelle défense. Ouais, superbe ça. Belle défense en deux temps, deux joueuses plutôt. Et encore une défense. Là, on est en train d'être sur une phase défensive encore. Qui sait qui va réussir à se montrer plus performant en attaque pour marquer son point. On est encore sur de la défense. Je ne pense pas qu'on va jouer pendant 8 minutes que sur de la défense. Et là, une faute de cadre. Voilà, c'est pour conclure leurs échanges. Alors, je pense que vous avez entendu, en tout cas moi je l'ai entendu dans mon casque, le coach qui vient dire à ses joueuses, quand on fait une faute, il faut pas penser à ça, on pense tout de suite à la suite. On se remet tout de suite dedans, pas se faire sortir par une petite faute. Et 3 points hein, maintenant, hein, Val de Ruche au fond qui arrive à remonter gentiment. Nice. Ah, faute de cadre. Encore une occasion pour Val de Ruche au fond. Ah, cadre encore. Alors sur ce tir, on est plutôt sur des phases, hein. On a une phase défense, maintenant on a une phase cadre. Ce sera quoi maintenant? Peut-être une phase de points. Allez, super défense. On revient sur le même côté du terrain avec un tir, mais super bien vu de Célia qui est restée debout, qui a compris qu'elle allait essayer de tirer en hauteur. Et super encore de la défense. Hey, magnifique. Et là, elle a contre-attaqué direct. Elle a défendu la balle et il n'y avait plus personne ensuite. Elle a juste tiré la balle. Vraiment pas très fort contre le cadre, mais ça a clairement permis de marquer puisqu'il n'y avait personne. Et là, il vient d'y avoir un point sur l'autre côté du terrain. 3 points qui séparent. Changer de côté. Allez, changement stratégique. Allez, on entend le deuxième coach qui donne beaucoup de voix pour encourager ses joueuses. Apparemment ça pas suffi. Et voilà, on se retrouve dans la situation de départ de ce tiers, puisque les joueuses de Val de Ruche Chaudefond ont aussi changé. Et on va encore faire un changement. On va voir si c'est payant. Super défense ça. Ouais, super tir. Et Léa, ça, un rapport offensif qui est nouveau. Faites en place, elle peut payer le score en défense.
superbe point. Et là le score qui est vraiment très serré. Ça l'a joué. Est-ce qu'elle va réussir à revenir au score sur cette attaque? Et on peut compter sur la défense de Celia. Et derrière le petit lancer direct. On va profiter qu'il n'y avait personne en défense. 4 minutes, 2 points d'avance pour Carouge. Et Valder qui est clairement là. Plus qu'un point. Je répète, hein, au début du tiers, il y avait 5 points d'avance pour les joueuses de Carouge. Maintenant, plus qu'un point. Ça montre à quel point notre équipe a aussi envie de revenir au score. Et la superbe attaque, toujours, de cette ailière qui vient toujours en puissance. Mais ça fonctionne. Célia, là, qui fait un super tiers-temps. Avec des défenses assez importantes à mon avis. Et là un petit regard de l'autre côté. À la pénétration. On sent un peu la tension sur le terrain. Bien défendu ça de la numéro 10. Peut-être la défense pour venir recoller au score. Célia, mais c'est sauvé cette fois. Cette fois c'est sauvé. Ah, la numéro 10 qui était vraiment pas en bonne position pour tirer. Elle a préféré lâcher sa balle par terre et venir faire un point perdu pour peut-être limiter la casse. Ah, super là, 3 points d'avance à 2 minutes de la fin. C'est le moment de revenir maintenant pour Valder de Chaudefond. Ouais, bien rattrapé ça. Ouais, super. La défense. Ah, une faute de passe là. Plutôt de réception. Allez, c'est pas fini. On va encore vibrer un moment. Ah, superbe tir là. Belle idée. Tiré en longue ligne. 2 points d'écart pour 2 minutes. J'ai déjà vu des situations pareilles où c'est clairement l'équipe qui était derrière qui est venue remporter le match. Ah voilà, attention, une petite faute de cadre. Ça va permettre aux joueuses de Valder Chaudefond de réduire la différence de score. Ouais, c'est bien fait. C'est bien fait de Celia qui a su se mettre au bon endroit pour défendre. Super défense là. Ça va tirer. Faute de cadre. 1 minute pour 2 points. Faut plus faire d'erreur du tout pour Valderu. Ah, c'est super là, la défense. Quel soutien. Allez. Là, il faut marquer son point à tout prix. Ah, c'est fait. On va être en suspense jusqu'à la fin. Il reste 45 secondes, 1 point d'écart. Ça va. Il y a du suspense. Et la Carouge doit vraiment marquer son point. Et c'est défendu de la numéro 4. Attention, maintenant il faut marquer son point, ça va tout relancer le... Ah, quelle belle défense, peut-être qu'il va venir offrir la victoire. Bien marché. Ah, c'est défendu, quel soutien défensif. Certainement la défense pour sauver ce match.
Et c'est gagné pour un petit point. On aurait été en suspense jusqu'aux dernières secondes de cette rencontre. Et voilà que l'équipe de Carouge pour le canton de Genève qui vient prendre la troisième place du podium. Et on va se retrouver dans quelques instants pour assister à la finale femme. Finale femme qui va opposer Geneva Dragons B contre l'équipe de Vaux Women. Donc on se retrouve dans quelques instants pour assister à cette finale. Thank you.